au nom de Niama Kafon-Wissin. Je suis coiffeur. C'était le 31 juillet. Et j'ai suivi votre pub à la télé, la chaîne Main. Et je me suis dit pourquoi ne pas se lancer dans l'aventure. Le 1er juillet, à 6h du matin, j'ai essayé une. Je suis rentré dans mon menu message. J'ai écrit moto, moto 1, moto comme M-O-T-O-R à la fin. Puis j'ai balancé sur le 82-82. C'est là que j'ai commencé, j'ai essayé une trentaine de fois. Et je me rappelle bien si c'est le 23, c'était un dimanche à la télé, le jour du tirage. Bon, c'était quelque chose, je ne m'attendais pas à ça. Ils ont tiré mon numéro, c'était une émotion pour moi. C'était dans mon salon ici, je suivais l'émission. Et c'est là que j'ai fait appel à mes frères de venir voir ce qui s'est passé, que j'ai gagné la télé. Et au jour du tirage, il y a un autre numéro qui m'a appelé sur un autre numéro, le 229. Que il est Abdoul de l'envoyer 50 000 francs sur son compte Move. Et je me suis dit, ah, ça c'est de la narque. Parce que quand je faisais mes jeux au hasard avec les autres réseaux Move, on m'appelle en direct de venir chercher le cadeau, soit au siège, soit à la télé. Bon, j'ai dit, je ne peux pas envoyer l'argent sur son compte. Il n'a qu'à me croiser quelque part à ce que je puisse lui donner l'argent. Bon, il ne m'a plus appelé. C'est là, après 2 jours, le DG du mobile gagnant même m'a appelé. Il m'a donné le rendez-vous sur le 6. Mais bien avant le 6, il y aura une interview chez moi à la maison. Et le 6, de passer à la télé même pour récupérer mes cadeaux. Donc je tiens à dire à mes confrères qui ont gagné de la main du mobile gagnant de ne pas envoyer l'argent sur le compte de quelqu'un. De eux-mêmes, ils n'ont qu'à passer à la télé pour récupérer leur cadeau. Je vous remercie. Je réponds au nom d'Azimai Kassi. C'est mon frère. Le dimanche là, j'étais avec lui. Le soir, 16h, je suis arrivé. Comme le 16h, là, il a commencé l'émission. Et je suis venu pour regarder avec lui. Et on a regardé ensemble. Et j'ai commencé par attendre le numéro 91-06. Et moi-même, j'ai terminé ici, le 10-72. Et c'est arrivé. Et puis, il a appuyé fort, il a sorti. Il est à la maison. C'est à cause de ça que nous avons suivi le jeu. C'est intéressant. C'est Monsieur Akapo Kofi Novillon. Je suis revendeur à côté de mes frères qui sont des gagnants, des heureux d'aujourd'hui. Et vraiment, le jour-là, j'étais là. Mais bon, je voyais une fierté, une joie qui animait à côté de mon frère ici. Bon, c'est ce qu'il ne faut pas attendre pour rapprocher. Je me suis rapproché, mais je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et il disait que non, que M. Niama vient de gagner la télévision avec quoi, à la TVT, la chaîne Mère. Je dis, ah, c'est très intéressant. Avec tout ça, je voulais rassurer à tout le monde que vraiment ce jeu est vrai. Je voulais profiter de cette occasion pour dire à tout le monde que vraiment le jeu mobile est vrai. C'est ce qu'il ne faut pas attendre de tenter. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer à mon grand frère qui est Adido Gomé, M. Akapo Kofi, Jonathan, et sans oublier ma femme bien-aimée. Coucou à toi, chérie. À ce moment, pour saluer certaines personnes, premièrement, ma soeur Adjumaï qui se trouve à l'hôpital à ce moment, et ma femme et mes enfants, et Adjumaï Jules, Adjumaï Sylvie et Adjumaï Abla. Je profite de cette occasion pour dire bien des choses à mon fondateur, Zébri Tapé Jean Martial, depuis la Côte d'Ivoire, à M. Francis Kakou, le maire de Iré, à mon grand frère Niama Fofo Thomas, depuis Nangbeto, instituteur à Nangbeto, et à la famille Niama, à la famille Adjumaï et tous ceux qui me connaissent. Merci. Bon, je tiens à dire à mes confrères de faire du jeu du fer. Du 82-82, le jeu de tous les jours. Je vous remercie.